C'est quoi que tu regardes, maman? Maman regarde une annonce. C'est quoi l'annonce? C'est pour une rencontre. Pourquoi une rencontre? C'est pour les parents, là, Robert, pour savoir quand est-ce que papa y est supposé de vous voir. Oui, il est où, papa? Ah, ça t'intéresse-tu, Carole? La rencontre sans coparentalité, tu pourrais venir voir. Hein? Ça te montrerait comment ça marche, puis ça pourrait vous intéresser, toi puis ton ex. Ouais, ben, mon ex, comme tu dis, je pense pas que ça l'intéresserait. Il vient chercher les enfants tous les samedis, puis je suis sûre qu'il doit trouver que c'est assez. Ben, tu peux toujours venir voir. Maman, il est où, papa? Je peux le voir. Samedi, mon pipe. M'en disant pas trop, là. Je dis pas non. D'abord, cette journée-là, c'est ma journée de congé. Bon, ben, c'est parfait, ça. Bon, ben, ça fait 4,5 piastres. Tiens, ma Sylvie, puis garde le change, là. Tu te gâteras un peu avec ça. Oh, ben, merci beaucoup, Madame Bourette. Hey, ça sent bon chez vous? C'est mon gâteau au chocolat qui est dans le fourneau. Ben, quand tu auras fini de livrer tes commandes, là, tu viendras manger un morceau, OK? Ah, oh, ben, OK. Puis, ton père, là, es-tu contente de le voir souvent? Ah, oh, oui. Il doit te gâter, hein? Oui, il nous gâte, mais trop même. Des fois, là, on dirait qu'il veut trop bien faire. On fait toutes sortes de sorties, là. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est moi qui est obligée de m'occuper de Robert pendant qu'on se promène. Ton père, il s'en occupe pas? Ah oui, mais il a pas bien ben le tour. On dirait qu'il est pas habitué. Oh, c'est sûr, ça doit demander un peu d'ajustement, ça. Oui, c'est ça. Mais j'aime ça parler avec vous, Madame Bourette. Oh, ben moi aussi, j'aime ça, ma Sylvie. Je pensais à ça l'autre jour, là. Ouais? Je trouve que ça te prendrait une marraine. Ben, j'en ai une, ma sœur. Pas une marraine pour la forme, là, que tu vois une fois tous les 3 ans quand elle te rapporte un bibelot de la Floride. Non, non, une vraie marraine, là, comme dans l'ancien temps, là, qui reste pas loin, puis qui te garde. Comme vous, là. C'est ça. Oh, ben, c'est une idée. Bon, ben, là, il faut que je m'en aille. Ah bon? Tenez, Madame Bourette, il y avait ça après votre boîte à lettres. Ah bon? Bon, ben, OK, merci, bonjour. Bonjour, ma Sylvie. Encore une annonce. Rencontre causerie sur la coparentalité. Hein? Coparentalité. Ah, ben c'est peut-être de même qu'appelle ça aujourd'hui. Hein, ça doit être ça. Un café. Ouais, petit jeudi. On sait bien, il n'y a pas de justice. Moi, je suis tout seul, puis lui, il y en a deux. Donc, ça, j'ai déjà vu à faire quelque part, ce gars-là. Puis, demain soir? Ben, Joanne, puis moi, on voulait aller magasiner. Tu sais, à Dolbo, t'as moins de choix pour le linge. Hein? Mais, on peut se retrouver à 9h, si tu veux. Ah, OK. Je suis assez contente d'avoir trouvé des billets, puis j'en viens refaire là. Ça devrait nous faire une pas pire soirée. Ben, je pense bien. C'est à quelle heure samedi? Comment est-ce qu'on s'organise? Ben, je vais passer vous prendre vers 8h15. Mais samedi, j'ai pas mal d'affaires à faire. Comme tu voudras. Ça te va-tu, ça, Joanne? Bien sûr. Hey, coudonc, on n'aura pas été voisins, nous autres. Ah, ça se peut. Moi, c'est Pouliotte. Royal pour les intimes. Ah oui, là, je me souviens. Tu restais en bas de chez nous, toi? En plein ça. Je te regardais, là, puis tu vois que t'avais en masse de compagnie, toi, tout seul, hein? Hey, ça tombe bien, justement, nous autres, on s'en va. Ah, ben, ça me fait de la peine. À plus tard. Salut, Fils. Oui, t'as joint. Salut, Gérard. Ben, on s'en reprendra, hein? Ben. Ouais, un petit jeudi. Ouais, mon homme. La vie de célibataire, c'est pas toujours la vie en rose. Ouais, surtout dans un 1,5. Même dans un 5,5. Tu sais, quand je vais chercher mes enfants chez le maire une fois par semaine, qu'est-ce que je serais supposé faire? Laisse-moi te dire que quand t'as rien que 3-4 heures par semaine, t'as rien d'intéressant, t'as d'affaires à pédaler puis à avoir des idées claires. Ben, moi, je sais pas si c'est passé à la fin de semaine, mais les idées, là. Disons que c'est pas toujours 100 watts. Ouais, écoute, moi te dire. Confidence, pas confidence, là. C'est pas avec les enfants que j'ai des problèmes, là. C'est avec les femmes. Tu
Tu te dis, je suis le père, c'est mes enfants, faut que je m'en occupe. Mais qu'est-ce que ça fasse, un père? Hein, tu es capable de me dire ça, toi? Qu'est-ce que ça fasse, ça, un père? Ton trouble, là, c'est que tu te poses trop de questions. C'est pas bon, ça. Ben, si je te comprends, j'ai fait pareil. C'est-à-dire, le trouble que j'ai eu avec mes mox quand ils sont allés vivre avec leurs mains, c'est pas disable. En tout cas, c'est trop long à t'expliquer, mais c'est pas des petits problèmes de 1,5, laisse-moi te dire ça. Ben, mais c'est pas laissé avoir pour autant. Regarde, samedi prochain, j'ai invité mon gars à aller au baseball avec sa blonde. Pas de trouble avec celui-là. Tiens, pourquoi tu viens pas tout seul avec ton gars? Il a 4 ans. Et youpi, c'est un coton, lui. Oui, donc. Eh bien, j'ai une bonne combine à part de ça. Je pourrais t'avoir des billets pas chers. Ah, ça a du bon sens. Je vais peut-être les emmener tous les deux. Je sais pas si ma fille est bien forte là-dessus de baseball, par exemple. Ben, pourquoi t'as même pas tes deux petites amies, les faire de la compagnie? Ben, on va laisser France en dehors de ça, si ça te paraît. OK, OK. Je sens de même, là. Ouais. Dans le fond, là, la question que je me pose, c'est ça. Comment tu fais pour être un père juste le samedi? Deux autres cafés, Oui, que j'aille ça, les ensembles. On a quasiment fini. Tu sais, ça me dérange pas si tu viens pas avec moi samedi. Ben, ça aurait été le fun, par exemple. Je vais m'arranger pour y aller. Y es-tu fin, ton père? Ben oui, il est fin. Ben, il va comprendre. Surtout que j'aime pas bien ça, moi, la visite organisée tous les samedis. Tu passes toute la journée avec lui? Oui. T'es chanceuse. Moi, mon père, il passe jamais toute une journée de temps avec nous autres. Ben, toi, c'est pas pareil. Il reste chez vous, ton père. Ça fait rien. Moi, quand je vais chez mon père, c'est toujours comme si j'étais en visite. J'aime pas bien ça. Ben, tu devrais y dire. Ben, je voudrais pas. Pourquoi? Je voudrais pas y faire de peine. Mais je pense que je le sais qu'est-ce que je vais faire. Hmm? Samedi, là, je vais aller au bazar avec toi, puis dimanche, je vais devoir. Hein? Vous nous avez fait peur. Pas bien ça, hein? Hé, maman, la mère de Diane, elle va à un kiosque au bazar du centre de loisirs samedi. C'est un bazar de linge, là, mais elle a fait du sucre à la crème, puis elle va le vendre. Est-ce que c'est correct si je vais dans l'après-midi? Ben voyons, Sylvie, Gérald vient vous chercher le samedi. Mais je sais bien, mais... Tu iras dimanche à ton bazar? Mais c'est juste samedi. Mais ton père aussi, c'est juste samedi. Mais papa, il pourrait prendre Robert, puis moi, ben je le verrai un autre jour. Sylvie, on a eu assez de misère à s'organiser pour que ton père vous prenne à toi et samedi. Tu vas pas commencer à tout chambarder. Mais c'est toi puis papa qui a arrangé ça comme ça. Mais moi, là, elle fait plus mon affaire, cette organisation-là. Mais Sylvie, tout ce qui va arriver avec ça, là, c'est que Gérald, il... En tout cas, ça sera pas d'avance. Je vais l'appeler, moi, papa. Je vais comprendre. Ben, pour tout de suite, là, tu vas finir tes devoirs avec Diane. Donne-moi le temps d'y penser, OK? OK. Il me semblait aussi que c'était trop beau pour du riz. Ça va à peine, j'ai 3 billets pour le baseball l'après-midi. Mais elle avait promis à sa petite amie. Une promesse, c'est une promesse, que si tu veux. T'aimes pas ça, le baseball, Sylvie? C'est pas ça, j'aime ça, mais c'est parce qu'après-midi, je peux pas. J'essayais de t'appeler depuis 2 jours, mais t'étais jamais là. Ouais, mais ça me fait un billet de trop, ça. Veux-tu venir? Mais tu fous, toi? Bon, on va y aller, mon Robert. Oui, on y va. Bon, ben, bye, Robert, là. Ben, d'abord, on va aller chez le petit billet. Et après? Toi, des fois, je te dis que t'es dur à suivre, hein? Quand ton père venait pas, tu m'as quasiment fait une maladie, puis là, à cette heure, tu veux plus le voir. Non, je comprends pas, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que je comprends pas? Oh, laisse faire. Faut que je m'en aille chez Diane. Bon. Pas ton gars avec. Comment ça, pas mon gars avec? Ma fille aussi a décidé qu'elle avait pas le goût de voir son père aujourd'hui. Elle vient pas au baseball. Ben, elle s'entendrait bien que la blonde à Michael. Hein. C'est elle qui a mis ça dans la tête de pas venir. Pas mon gars qui aurait décidé ça, moi, me lâcher à la dernière minute de même. Non, monsieur, c'est pas de même l'élever. Quel âge qu'elle a, juste ta fille? 11 ans. Puis tu penses de la misère avec? Ben, rien qu'une chose à dire. T'as rien vu. Pourtant, on y va, tu vas, youpi. Oh oui, on y va, là. Fait que comme ça, t'es bien décidé. Ça te tente plus. Poisson, t'es un gars intelligent. Tu vas comprendre ce que je vais te dire. Tu sais, quand t'es un gars, là, se sent pas dans son assiette, là. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Aller au stade prendre un coup en faisant semblant de regarder le baseball, ben donc, rester chez eux, tu sais, puis régler ses problèmes, la tête reposée. Hein? Les régler, je suppose? Tu vois. Je vois, youpi! Oui. Bonne partie, mon vieux. OK, de même. Salut. Salut!
Ouais, petit samedi. Un petit samedi. Pourquoi on n'y va pas vers le pays? Parce qu'on n'a pas de billets, Robert. Oui, t'en as des billets. C'est pas des bons billets, ça, c'est des billets pour une autre fois. Le monsieur qui nous les a donnés s'est trompé de jour. Moi, je vais aller quand même voir le piment. Hey, Robert, commence pas à broyer, là. Regarde dans la TV, là. Regarde, on va voir Youpi. Attends deux secondes qu'il nous montre le terrain. On veut un hot-dog comme la madame. Hey, regarde, là. Regarde dans le coin en haut, tu vois-tu? C'est lui, Youpi. Je le vois pas. Regarde, là. Regarde bien le monsieur, il va frapper la balle avec son bâton. Regarde. Ça, c'est le frappeur que papa il aime le plus. Regarde bien, il va frapper fort, fort. Hey, ça, c'est beau, le jeune. Quasiment un double. Pourquoi il court, là? Parce qu'il va marquer un point. Un roux suivi. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui aussi? Suivi un roux. Robert, on l'a regardé ensemble l'autre fois la TV, puis t'étais tranquille. Pourquoi t'aimes pas ça aujourd'hui? Co-parents. Moi, là, j'aimais bien mieux ma reine. Ça sonne mieux, me semble, hein? Ah, coudonc, vas-tu commencer à réunion? Oh, c'est ça, la Christine! Enchantée! Oh, je te dis que... Mon gars a l'air de la trouver bien à son goût, ta fille. Ah oui? Oh oui. C'est hey, cute, hein? Salut, oh, oui, salut, Carole. Bonjour. Je pars tard, j'espère? Ben non, viens, viens, je vais te présenter. Non, oui, c'est tellement... René Landry, le père de Christine. Bonjour. Madame Desmarais, ah, la ben, mère de... Ben, on se connaît. Bonjour, Carole. Bonjour. Et puis... Ben voyons, excusez, là. Jocelyne La Liberté, la mère de Sébastien. Bonjour. Moi, je suis Carole Poisson, la maman de Robert. Bonjour. Je comprends bien, on est toutes là pour la même chose. Mm. Et vous autres, comment vous arrangez, donc? Oh, ben moi, je suis comme une coparente diplômée, là. Sébastien passe une semaine chez moi, une semaine chez son père. Ben, son père habite à trois coins de rue. Ça fait pas trop de voyage maintenant. Mm. Fait qu'il a sa chambre chez moi, sa chambre chez son père. C'est joué aux deux places. Oh, pour le linge, par exemple, on n'a pas fait ça en double. Ben, ça coûte tellement cher à cet âge-là, ça grandit tellement vite. Ah, ouais. C'est le fun. Ben, je suis contente, oui. Mais toi, comment tu t'arranges? Moi, ça va bien. On s'arrange pas pire, mais on n'a pas tout en double. Il faut s'arranger avec les moyens du bord. Surtout qu'elle en a deux. Je suis assez contente de te voir ici. J'espérais que tu viendrais. Hein. Mais c'est ça que ça te prend pour tes enfants, je trouve. Avec tous les chambardements qui leur arrivent, là, ben, tu me comprends. Moi, en tout cas, là, ce serait Sylvie qui m'intéresserait. Sylvie? Ben, c'est pour m'en dire que c'est mieux un enfant qu'on connaît déjà. Oh, j'aimerais ça être la coparente de Sylvie. En tout cas, moi, je te dis ça de même. Le café est prêt, là, pour quelqu'un. On en reparlera. Hein? La coparente de Sylvie? Moi, en tout cas, je suis pas un coparent diplômé. Moi non plus. Donc, ma femme, on a bien de la misère à se parler. Ça aide pas. Ouais. Je vais m'en occuper de ma fille, moi aussi. Il reste d'autres cafés, hein? S'il y en a qui en veulent, gênez-vous pas. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Madame Bourrette, les coparents, c'est des parents séparés qui se partagent la garde puis la responsabilité de leurs enfants. Arrête donc, toi! Oh, puis moi qui pensais que c'était comme les marins, là, dans l'ancien temps, tu sais. Oh, comme ça, là, c'est pas des marins. Non. C'est des parents séparés. Qui essaient de rester parents, même s'ils sont séparés. Bon, ben, ça doit pas être facile, ça, hein. C'est déjà assez dur d'être parent quand t'es ensemble. Non, c'est pas toujours facile. Ça va à peine quand même. Autant qu'à ça, je vous comprends, hein. C'est déjà assez de perdre un conjoint. Il faut perdre les enfants en plus. Oh, moi, s'il avait fallu que je perde mon argent en même temps ben, que on va commencer là. Si vous ben, savez-vous, je vais rester, si ça vous dérange pas. Moi, je suis pas séparée, je suis veuve. Mais ça fait que la coparentalité, comme vous dites, là, ben, je peux oublier ça. Mais j'aime ça, venir au courant. Puis, on sait jamais, hein, ça peut toujours servir. D'un coup que je me remarie. Un roux, la balle de baseball. Dans le milieu, là, regarde bien le monsieur, il va lancer.
C'est une affaire, Robert. Quand t'étais petit, là, tu regardais souvent le baseball à la TV avec papa. Mmh. Puis t'essayais de faire pareil comme les joueurs. Oui, comme ça, là, avec tes deux bras. De même? Pong! De même? Hey, je vais t'en faire, moi! De même! Je suis pas une balle de baseball, tu sauras. T'es quoi d'abord? Je suis ton père. Encore le baseball, encore! OK, OK. Une fois, là, puis après, on va aller faire l'épicerie parce que papa, il n'y a plus rien dans son frigidaire. Tu vas m'aider à faire l'épicerie, OK? OK. Ouais. Puis après, là, après souper, ça va être le temps de retourner voir maman. OK. Attention, le baseball, il s'en vient! Oh. Hey! Ben, c'est toi. Veux-tu une bière, France? OK. Ah, oh, ça m'a fait drôle de réécouter toutes ces tunes-là. Ça rappelle des souvenirs. Ouais. Hey, moi, la première fois que j'étais allée voir Jean-Pierre Ferland, j'étais en amour avec un gars par-dessus la tête. Il voulait qu'on se marie puis qu'on ait des enfants. Puis? J'ai cassé deux semaines avant qu'on se marie, j'ai friqué bien raide. Tu sais, c'était pas moi, ça, un mari puis des enfants. T'as cassé, même? Ben oui. T'as bien fait. Le mariage, les enfants. Je pense que c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Salut. Je suis pas bien gay à soir. Oh, c'est correct. Moi aussi, ça me tente de parler. Ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. Sylvie, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, comme je pouvais pas venir hier, ben, je suis venue faire un tour. Pourquoi t'as pas appelé? Ben... Hier, tu voulais pas me voir, puis aujourd'hui, t'as... Je l'ai échappé, mais je l'ai pas cassé. Bonjour. Bonjour. Maman, elle sait même pas que je suis ici. Je voulais te faire une surprise. Sylvie! C'était ma fille. J'ai bien vu que c'était pas apporteuse de journaux. Il semblait que t'avais pas d'enfant. J'en ai deux. T'es pas pire pour compter des menteries. Les enfants, ça avait pas l'air de t'intéresser tellement. Mais c'est pas parce que j'en veux pas que j'empêche les autres d'en avoir. Elle a l'air fine, ta fille. Ben, c'est quelqu'un. Mon gars aussi, il est pas pire. Je t'en ai pas parlé, mais je voulais pas. Laisse faire. C'est parce que ça marche pas comme je voudrais de ce temps-là. Je les sens tellement loin des fois, mes enfants. Elle doit être attachée à toi, ta fille, pour aboutir chez vous comme ça un dimanche matin. Hier après-midi, mon gars, il est venu, lui, mais elle... Elle a pas voulu venir. Ben... Peut-être qu'elle aime pas ça, avoir un père juste le samedi. Penses-tu? Veux-tu que j'y demande? C'est pas bien intéressant, hein, un père célibataire. Ben, je trouve que ça a un certain charme. Bon, je pense qu'il faut que j'aille y parler. Sylvie, mais veux-tu me dire où c'est que t'étais passée? Madame Bourret est venue pour te porter du gâteau. Ben, Sylvie, je t'ai demandé d'où c'est que tu viens. De chez Gérald. Qu'est-ce que t'es allée faire là? La niaiseuse. Veux-tu bien me dire? Salut. Excuse-moi, là, je sais que j'ai pas d'affaires ici, mais je t'expliquerai plus tard, OK? Là, il faudrait absolument que je parle à Sylvie. Es-tu ici? Oui, oui, elle vient d'arriver, là. C'est pas juste ça, c'est pas juste que c'est petit chez vous. C'est loin. Ben, si je me trouve d'ouvrage ici à Montréal, je resterai pas là, c'est sûr. Je pourrais me trouver quelque chose de plus grand, puis ça pourrait être plus proche aussi. Mais même à ça, je serai pas toujours là.
Puis des fois, ça se peut que je sois occupé. Non, je sais bien. Je veux pas aller te voir n'importe quand non plus. Je veux pouvoir te voir quand je vais vouloir. Sylvie! Mais tu me laisses pas finir. Quand je vais vouloir, puis que toi, tu vas vouloir aussi, ça veut pas dire n'importe quand, ça. Bon, je sais bien que c'est pas ça que ça veut dire. Tu sais à quoi je pense? Non. T'as bien raison. C'est normal qu'on ait le goût de se voir quand on a de quoi se dire au lieu d'être programmé pour telle heure, tel jour, comme dans l'armée. Puis même, si on n'a pas le goût, c'est pas plus grave que ça, hein? Ça veut pas dire qu'on s'aime pas, hein? Ben non, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que, ben, c'est parce qu'on a d'autres choses à faire à ce moment-là. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est pas juste ça. Moi, c'est bête à dire, mais mon samedi à moi, j'y tiens maintenant. Ça veut pas dire que je vous aime pas, ça veut dire que j'ai besoin de me changer les idées, c'est juste ça. Mais c'est pas parce que je vais pas avec papa un samedi que je vais être dans tes jambes. Je peux faire d'autres choses aussi. Mais oui, mais Sylvie, que tu fasses n'importe quoi, là. Il y a quelqu'un qui est responsable de toi pendant ce temps-là. Puis quand t'es pas avec ton père, c'est moi qui est responsable. Ouais, mais on pourrait peut-être s'organiser autrement. Les fois que tu pourrais pas venir, Sylvie, tu pourrais me le dire, puis on se reprendrait un jour de semaine. Tu prendrais Robert le samedi, puis tu prendrais Sylvie un jour de semaine en plus? Ben oui. Oh oui! Et nous autres, on va faire le baseball! Ouais, une fois de temps en temps, ça serait peut-être pas fou ça non plus. Hey, tu viendrais-tu me chercher à l'école? Ben, je pourrais. Comme ça, je te présenterais mes amis, ça serait le fun, hein? C'est vrai que dans le fond, là, il s'agit de trouver un arrangement qui va faire l'affaire de tout le monde. Après tout, on est capable de se parler. Il y en a qui sont capables. Je vois pas pourquoi nous autres, on ne pourrait pas. Il y a quelque chose que je me demandais, par exemple. La femme, là, qui était chez vous à matin, elle va-tu toujours être là?